du Castel. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après son critérium? Bah, je sais pas trop. Hein. Rien n'était révélé. Un petit peu de soucis de pied, mais bon, rien d'alarmant. Et voilà, elle a repris un peu d'état et va recourir le 13 pour voir où c'est qu'on en est. Qu'est-ce qu'elle a fait justement depuis cette sortie? Elle a fait une promenade avant de partir 10 jours au pré de complet. Et puis là, elle vient de refaire des américaines. Quoi. La jument n'a pas perdu de condition. Donc non, elle devrait être pas trop mal le 13 normalement. Vous êtes dans le doute ou pas du tout? Bah oui, quand même, parce qu'on trouve rien et la jument nous paraît pas trop mal. Donc on attend la prochaine course pour savoir si on doit s'inquiéter ou pas. On passe à Vasco Madrid, un cheval que vous avez acheté aux ventes. Oui, qui était l'écurie de Jean-Michel Baudouin, un cheval utile pour la petite province. Il a gagné d'entrée chez moi, après ça s'est mal passé deux fois, puis là il vient d'être quatrième, j'ai fait un peu fort, mais c'était bien. Est-ce qu'il a la pointure parisienne ou juste un cheval de province? Non, juste vraiment un cheval de province, un cheval brave qui s'adapte aux pistes en herbe. Il est très pratique. Voilà. On passe aux zones de Castel, est-ce que c'est la relève? Ah, lui, je l'aime bien. Lui, je l'aime bien. Il est difficile à entraîner, difficile à courir, mais il a un bon moteur. Ça, c'est bien, ça, c'est de l'avenir, je pense. Justement, vous nous parlez de moteur. Est-ce qu'on peut le comparer à l'Isea ou pas du tout? Ils ont des qualités différentes. Hein. La jument, elle est très brave, beaucoup de vitesse et beaucoup de maniabilité. Et lui, il est plutôt très dur et pas trop maniable et manque encore un peu de vitesse. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On fait tout l'été ou on le préserve un petit peu pour cet hiver? Non, là il est parti en thalasso, histoire d'épaissir un petit peu, puis de se muscler différemment. Et puis il va courir à la fin du mois en gain, et après il va attaquer les groupes au mois d'août. Je pense qu'il ne devrait pas être honteux là-dedans. On passe enfin à Verdi Jet. Verdi, cheval compliqué avec un bon moteur. L'autre jour, il a encore fait la faute malgré Jean-Michel Bazir dans le sulky. Il a quand même réussi à faire une faute au 1000 sans qu'on comprenne pourquoi. Et après, bah voilà, le cheval, il devrait avoir plus de gains que ce qu'il a là. Quoi. Est-ce que c'est un élément qu'on peut parler d'avenir? Oui, il n'est pas soudé du tout. On l'a préservé jusque-là. De temps en temps, on aimerait bien qu'il, le jour où on en voit, qu'il nous récompense. Ça n'a pas toujours été le cas. L'autre jour, on a fait appel à Jean-Michel pour qu'il justement gagne cette course. Ça s'est très bien passé, donc j'espère maintenant qu'il va me le remener de temps en temps. Alors c'est quoi la suite de son programme à lui? Lui, il devrait soit le 17 PMU à Argentan si j'ai Jean-Michel, sinon il ira sur l'herbe. Moi, je le courrai pour le préparer et puis lui, il en verra.